sous cette première leçon. Tranquillitas, frère. Tu as encore beaucoup à apprendre pour mener ce char. Objectif en vue. Voilà les deux énergumènes. Il faut savoir d'où ils viennent. Quel est leur secret? Oh, Lorna, arrête de nous casser les oreilles. À l'attaque! Oh, maman! On va voir ce qu'on va voir. Difficilis, frère. Ubi Bene, Ibi Patria. Tu as raison, frère. Où l'on est bien, là est la patrie. Oh, j'en vais tranquille, j'en plaindrai à la mairie. Triple Z, voilà les gladiateurs, devenus cascadeurs, des cascadeurs. Sur la terre, sur les mers, voilà les gladiateurs, devenus aviateurs, ils n'ont pas peur. Au sol ou dans les airs, des chutes spectaculaires. Tu t'es ridiculisé avec ces deux cascadeurs, Ramon. Souviens-toi, Lorna, quand je jouais Néron, ouais, je faisais brûler Rome. Ouais. Je détruirai Hollywood. J'anéantirai ces maudits cascadeurs, d'où qu'ils viennent. Allô, Ratapok. Cette colère est indigne d'un grand acteur comme toi. Ma boule de cristal va parler. Nous allons découvrir le secret de ces deux individus surgis de l'Antiquité. Zéro, Zanzibar, venez dans ma boule, je le veux. Ah, je les ai vus, quelle insolence! Oh non, ils filent! Ce que vous avez vu, ce n'est que l'image de leur âme. Une âme d'airain, un courage de lion, la sagesse du condor. Mais ben ça va, Pachina. On a pigé. Mais comment pouvons-nous découvrir leur secret? Et mettre Hollywood à nos pieds. Nous devons redevenir des vedettes, hein? Enfin, surtout moi. Patience, Miss L'Enfer, patience, Ratapok. Vous vaincrez, mais méfiez-vous. Avec cette fille et cette Zazie, ils sont devenus les triple Z. Ils sont forts comme sang. Avec eux, il ne faudra pas utiliser seulement la force, mais la ruse du renard. Ah, la force! Oui, la ruse. Vous avez compris, Miss L'Enfer? Vous me devez $500. Mais c'est beaucoup trop cher. C'est la vie qui est de plus en plus chère. Miss L'Enfer, vous revenez de Las Vegas, vous devez avoir les poches pleines. Ah. Si vous suivez mes conseils, vous retrouverez la gloire d'antan. Oh, Vulcain, Zazie, ta catapulte sans chevaux est aussi facile à diriger qu'un bon char romain. Par Minerve, Zazie, à qui appartient cette grosse baleine volante qui nous a attaqués? Ah, c'est un dirigeable, oui, l'Impérator. Son propriétaire, Ramon Ratapok, a déshonoré la profession du spectacle. Un arrêt au page de producteur honnête l'a chassé des studios. Depuis, il est devenu l'ennemi numéro un de Los Angeles et de Hollywood. Ah, un danger barbare pour la cité. Sa femme, Lorna L'Enfer, est pire que lui. Il faut vous méfier. Je ne sais pas pourquoi, mais Ratapok semble s'intéresser à nous. Tu
Tu crois qu'avec cet accessoire de tournage, ça va marcher, Zéro? Pour sûr! Nous, les citoyens romains, nous avons tout inventé! Les rampes, les ponts basculants, les fossés, les remparts, les attaquants tortues, les aqueducs! Ah, Zazi! J'adapte ta mécanique moderne à nous! C'est facile! Faudra t'habituer, Zazi! Pour mon frère Zerus, enfin Zéro, ici, tout est facilitas! Ah, oui, facilitas! Très facilitas! Pour un temps romain, viens dans mon bain, redevenir star, c'est pas trop tard. Irradiant, donne-moi la main pour être au top. C'est assez, Miss L'Enfer, je vous ai reconnu. Vous me tairez, Vertigo. Miss L'Enfer, nous vous connaissons tous. C'est ridicule de venir passer une audition. Allez au diable avec Ramon Ratapak et ne revenez plus jamais à Hollywood. Oh, Monsieur Vertigo, Miss L'Enfer vient pourtant de triompher dans un show à Las Vegas. Mais ce matin, elle n'est pas en voie. Elle n'est jamais en voie. Au suivant! Crétin d'imprésario, tu me le paieras! Hamilton, vous êtes le plus mauvais agent de Hollywood! Vous ne me présentez que des ringards! Une chanteuse déchue, un jongleur faisant tomber ses balles, et quoi encore? J'ai un excellent magicien qui doit rater tous ses tours, ça suffit! Nous préparons un superbe western et vous me faites perdre mon temps qui est précieux! Je ne travaillerai plus jamais avec vous, Milton! Oh, Monsieur Vertigo, vous me ruinez! Vous pouvez pas me faire ça! Je suis le plus vieil imprésario! J'ai tout vu, tout connu! Sarlo, Laurel et Hardy! Ratapok et l'Enfer, autant de leur splendeur! Écoutez, Milton, je veux bien vous donner une dernière chance. Trouvez-moi ces deux cascadeurs exceptionnels, Zéro et Zanzibar. Il paraît qu'avec Zazi, ils ont formé le groupe des Triple Z. Mais on ne sait pas où ils sont! Eh bien, décarcassez-vous, trouvez-les-moi. Prenez-les sous contrat. Qu'il soit demain à midi dans les Black Rocks Mountains, à Ghost City. Sinon, foi de Vertigo, je tiendrai ma promesse. Citoyen! Citoyen, si tu es, comme je le crois, un noble patricien, par le ciel et le feu, dois-je t'emmener soigner par les Vestales? Mais qu'est-ce que les Vestales? Qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous? Zerus. Enfin, ici, dans ton pays, je suis Zéro pour te servir, citoyen patricien. Zéro? Zéro, le cascadeur? Où est Zanzibar? Avec Zazi, dans Othello. Oh, ce garçon est dingo, mais alors moi je suis sauvé. Mon frère, ami Zéro, oui, c'est le ciel qui a mis sur votre route. Je vais faire votre fortune. Zéro, Zanzibar, Zazi, les Triple Z. Tenez, mon jeune ami, signez ce beau contrat d'exclusivité avec moi, Hector Milton, l'imprésario dont le nom résonne. Ah, tu veux, Patricia, une trace de notre rencontre sur tes tablettes? C'est ça, oui, c'est ça, sur mes tablettes, c'est ça, oui, le bon contrat. Par Junon, je me demande ce que peut bien être dans ce pays un conte rat. Coupez! Oh, bravo les Triple Z! On n'a pas besoin de leur faire, c'était excellent! Oh, comme la précédente prise! C'est vrai, noble tribun, tu es satisfait? Ah, Magnificus! C'est ça, Magnificus! Tout le monde en place pour la scène suivante! J'ai du mal à croire qu'on joue à faire semblant. Semblant! Oh ben, on prend tout de même quelques petits risques. Oh, je savais que vous seriez satisfait, Mr. Troy. Ah, ces Triples Z sont vraiment mes artistes number one. Bob! Que vos cascadeurs arrêtent avec leur maudit galop! Ils font trembler la caravane! Oh, sans star, il n'y aurait du travail pour personne. Qu'on se le tienne pour dit. Dorian et moi avons besoin de nous reposer dans nos loges. 2 heures au moins d'interruption de tournage. Mais enfin, Gloria, vous ne pouvez pas faire ça. Le film a déjà pris un retard considérable. John Vertigo va être arrêté. Ah, c'est nous qui sommes furieux, mon pauvre Troy.
Diabolicus. Le cinéma, c'est difficilis. Velocitas, je vais finir ce char volant. Agilitas, tu es sûr que cet engin va planer comme un oiseau? Par Vénus, je le souhaite de tout mon cœur. Tu es dévoré de dépit, Lorna l'enfer. Et toi aussi, Ratapok. Laissez-moi scruter l'avenir. Mais où sont-ils? Que font-ils? On dirait qu'ils tournent. En rond? Mais non, un film! Un diplôme? Un western avec vos concurrents Glorian Grant et Doug Douglas. Oh! Je méprise les westerns et je hais Grant et Douglas qui ont volé nos flammes. Eux aussi seront châtiés. Les seuls bons films sont les péplums que j'ai tournés avec toi, Lorna. Oh, ce que nous étions bien! Enfin, surtout moi. Ces triple Z vous dévoileront leurs secrets. Je sens qu'ils le portent avec eux. Nous allons les écraser comme de vulgaires punaises. Mais non, réfléchis, Ramon. Nous allons semer la terreur sur ce film. Le cactus du Nevada 53 première. Action! N'insistez pas, Sam. Je dois rejoindre un saloon au Colorado et tout de suite... Restez, Mélissa, restez. Oh. Je vous en conjure. La dernière fois, la diligence a été attaquée par des Indiens. Ah oh, mais qu'est-ce qui vous a pris, espèce de petit imbécile? Excuse-moi, citoyenne Grant, mais j'ai voulu te protéger. Cette lanterne magique, elle est te tuer. Ah, oh, ces cascadeurs! Vous auriez tout de même pu faire attention. Je suis toute décoiffée. Maquilleuse, coiffeur, vite! 3 heures d'arrêt de tournage pour nous remettre de ces émotions. Mon père a déjà tourné autant du muet par ici. Il y a des trucs bizarres qui se passent dans le coin. C'est une région porte-poisse. À mon avis, je crois même qu'elle est hantée. Tu sais, citoyen Pronto, comme on dit à Rome... Error, erratum, seule la peur engendre la vision de ses propres frayeurs. Max, oui. Écoute Zanzibar. Vous verrez ce que je vous dis. Les triple Z, Ghost City, c'est un endroit maudit. Cette caméra, ça n'était pas normal. Sera puni, Glorian Grant. Ah, à l'aide, un fantôme! Sauvez Glorian Grant! Sauvez votre sort! Celeritas, les gladiateurs, frères! Tranquillitas, Zéro, nous ne sommes plus à Rome, mais à Hollywood! Oh, ce cri me rappelle... Le citoyen Doug Douglas! Doug Douglas a vu un fantôme. Vite! Quelqu'un est vraiment venu chez toi, citoyen Douglas? Oui, un fantôme. Mais où est-il passé? Le mien est parti par là, mais rattrapez-le! Mais rattrapez-le donc! Par Juno, il y a 2 fantômes. Bah, par Romulus et Rémus, capturons-les! C'est raté. En tout cas, ces 2 fantômes ne perdent rien à attendre. Oh.
Somme toute, de nombreux ennuis se sont abattus à n'en point douter sur l'équipe du Cactus du Nevada, dernier film des studios Vertigo. Doug Douglas et Gloriane Grant l'ont échappé belle. Et d'une manière incontournable, les triple Z ont risqué gros hier pour parler France. C'est un véritable explosif qui s'est déclenché sous leur mobilhome. Ghost City est-il un lieu maudit, comme l'affirment certains? Oui, maudit, maudit, nous avons raté le premier acte. Mais c'était une répétition. Débarrassons-nous d'abord de nos concurrents. Ensuite, on s'occupera des triple Z. Et puis alors cette fois, tâchez de ne pas secouer les stars. Rappelez-vous ce vieil adage, sans star, pas de cinéma. Moteur, action! La réplique, Gloriane! Sauvez-moi, mon cher ami! Oh, ma Mélissa, ne craignez rien. C'est parfait, formidable. Et maintenant, tapez-vous dessus. J'ai vertige. Coupez, coupez! Nos vedettes! Nos vedettes! Par Démétrius, noble tribun, nous te ramènerons tes stars. Cet oiseau peut-il vraiment voguer dans les cieux? Céléritas, ce n'est plus le moment de douter, Zanzibar. Et comme on dit chez nous, les cascadeurs, qui osent gagne. En fait, secret, il n'y a pas de secret. Les patrons seront furieux. Nous allons vous rendre la liberté, noble patricien. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut forcer cette grosse baleine à redescendre sur Terre. Aïe, trop tard. Bon ben, ça va pas. Une diligence dans ma piscine toute l'heure. Mon brave homme, si vous voulez un autographe de Gloriane Grant, eh ben c'est le moment. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ah là là, ah. Au secours, au secours. Douglas ne sait pas nager. Et moi non plus. Et je comptais sur vous pour le moment. Oh, par Jupiter, allons-y. Que d'eau,
que d'eau. Oh, eh bien, les triple Z, vous pouvez vous vanter d'avoir eu l'honneur de nous sauver. Des Romains ne pouvaient accepter que vous soyez engloutis par les flots de Neptune. Désolé pour le dérangement, monsieur. Curly, qui voudrait bien récupérer sa piscine. Eh oui, et pour la diligence, on enverra des machinistes du studio pour la sortir de là au plus vite. Oh, c'est pour la télé. Oh, eh bien, leurs jeux sont vraiment de plus en plus stupides. Oh, mais pourquoi, Proxina? Pourquoi aucun de nos pièges n'a fonctionné? Pourquoi? Mais oui, pourquoi tout était si bien organisé? Oh, parce que... Nous sommes Romains et avons le cœur pur. Oh, Ratapok, comme tu es impulsif. Ah, tu me dois 723 $ plus une boule de cristal à 1000 $. C'est malin, Ramon, on n'a plus un sou. En tout cas, on peut dire qu'il nous a rendu un fier service, ce truc machin chose volant. Pardarius, truc machin chose, c'est son nom? Non, truc machin chose, c'est parce que je ne sais pas si c'est une voiture, une moto ou un avion. L'important, c'est qu'il roule et vole très vite, donc c'est un Rapidus. Ah, César, frère, voilà un bon nom. Cela ferait même un très bon titre de film. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de fantômes, plus de dirigeables et qu'on a retrouvé nos vedettes grâce à vous, on va pouvoir tourner les triple Z. Toujours prêt. Et alors surtout, nos petits cascadeurs romains, faites bien attention aux stars. Car comme vous l'avez vu, une star, c'est très fragile. De Cactus du Nevada 8, deuxième. Action. Nous sommes dans les airs, des chutes spectaculaires, à des